My name is... Hi, my name is... What? My name is... Première, voilà. On se calme, la première c'était... Non, c'était la présentation, je ne le compte pas comme une vidéo. Et donc là, bah, je vais vous faire un petit tutoriel, tout simple, hein, très rapide. Et je pense que ça peut servir à beaucoup de gens. Donc on se retrouve sur un site qui s'appelle C'est pas bien. Donc c'est un site de téléchargement de torrents, comme c'est marqué ici, désolé de lire. Voilà, donc il y a des films, des séries, des musiques, des livres, des logiciels, des jeux de PC, des jeux de console, en jeu de console. Oh mince, désolé pour la pub, je suis désolée. C'est pas à cause de Utorrent, hein. Il y a une DS, 3DS, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, PSP et Wii. Donc ça fait quand même pas mal de consoles et c'est tout. Donc pour ça, il vous faudra Utorrent. Donc ce lien, il sera dans la description. C'est rapide à télécharger et puis ça prend pas énormément de place. Et donc ça va nous servir à extraire les films. Donc on va prendre un film rapidement. Donc film d'action, allez, action aventure. Prenez ce que vous voulez, hein. Il marche très bien. Donc Max, la face cachée. Et vous voyez quand même le nombre de films qu'il y a, quoi. Waouh, c'est bien. Et ils marchent tous extrêmement bien. La plupart sont en français. Oups, désolé, ma souris vient de tomber. Pourquoi elle est là en plus, elle? Voilà, donc Mad Max, je l'ai déjà. Je vais chercher un bon film, hein. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme film? Je vais pas vous embêter, on va prendre... J'essaye, je suis désolée le temps que... Ok... Désolée pour le temps que je mets à rechercher, mais c'est que après moi aussi le film je vais la regarder. On va prendre À la poursuite de demain. Voilà, je clique. Voilà, donc là vous regardez. Donc là c'est DVD RIP. Regardez des fois la date parce que des fois, voilà par exemple À la poursuite, ça c'est pas du tout le même site, mais des fois quand il par exemple Star Wars. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il a été fait en plusieurs fois. Et du coup, bah, vous pouvez faut regarder les dates. Après, donc vous êtes sur le fichier, vous mettez télécharger le torrent. Vous attendez, ça met vraiment pas longtemps du tout. Là, je suis sur Opera, donc ça va s'afficher en haut, mais sur Google, ça s'affiche en bas ici. Donc voilà, c'est fini. Double-clic dessus. Ça va m'ouvrir uTorrent, voilà. Et ça vous affiche ça. Vous vérifiez que c'est bien coché et vous mettez OK. Après, ça va vous mettre ça, OK. Et vous attendez que le téléchargement finisse. Donc, moi, le temps que le téléchargement finisse, je vais mettre en pause. Donc, je vais faire une ellipse pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Donc, on se... Voilà, on se retrouve. Du coup, le... Voilà. On se retrouve, du coup, le torrent a fini d'être téléchargé. Donc, où est-ce qu'on va se retrouver? On va se retrouver, du coup, dans mes téléchargements. Donc, j'ouvre Windows Explorer et téléchargement. Et là, on cherche, du coup, voilà, Tomorrowland. C'est ce que je viens de télécharger, hein. Je vais laisser là, tu vois. Et je double-clique pour vous montrer que ça marche bien. Alors, pendant deux petites secondes, vous n'allez pas m'entendre, c'est parce que le son est trop fort. Il faut que je le baisse. Attendez, je vais le baisser. Tac. Hop, c'est bon. Comme ça, vous pourrez encore m'entendre et voir que le film marche bien. Donc, ça met un peu de temps à charger, c'est normal, c'est parce que c'est un film. Et que ça dure longtemps, un film. voilà, donc là ça commence. Je vais monter quand même un peu le son. Vous voyez que ça marche bien. Hein. Et désolé pour le petit bug, c'est mon ordinateur. Le futur, voilà, peut être effrayant. Ça marche. Instabilité politique. Vous êtes d'accord? Surpopulation. Ça marche. Moi après, je vais pas trop vous montrer parce qu'il y a des gens qui veulent regarder ce film. Et je veux pas.
j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et j'espère surtout qu'elle vous aura servi. Et puis, ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.